cet ustensile, c'est une plaque de marbre. Alors, qu'est-ce que c'est une plaque de marbre, mais surtout à quoi ça sert en fait? Parce que une plaque de marbre, ouais, c'est oui, c'est bien, mais bon, les professionnels ont une plaque de marbre sur leur plan de travail, etc. Alors, tout d'abord, la plaque de marbre, moi, si je vous conseille d'en avoir une, c'est une plaque de marbre que vous pouvez mettre dans votre congélateur ou dans votre réfrigérateur. Hein, voilà, comme une plaque 40 cm par 30 cm. Bien sûr, tout dépend de votre congélateur, votre réfrigérateur, pour le mettre vraiment à l'intérieur. Parce que l'avantage du marbre, c'est un accumulateur du froid. Donc si la plaque est froide, vous pourrez en tout cas faire des décors que vous ne pouvez pas faire avec sans le marbre. Et avec le marbre, ça vous permet d'aller faire des décorations très intéressantes rapidement, de façon souple et qui mettent un cachet. Donc c'est des nouvelles techniques, des techniques intéressantes avec le marbre. Sinon, ensuite, pour des plus grands marbres, c'est plus facile pour faire descendre le chocolat à température. Il ne faut pas que ce soit trop froid non plus pour ne pas faire l'effet inverse avec le chocolat. Donc voilà en fait pourquoi moi je sers de cette plaque. Vraiment une petite plaque au congélateur. Une fois que vous la sortez, vous l'essuyez bien sûr, pour pas avoir du givre ou de l'eau. Bien sûr, vous savez ce que c'est du chocolat de couverture avec de l'eau, donc c'est pas bon ménage. Donc il faut vraiment l'essuyer, et alors sans la chauffer, mais vraiment avec un chiffon pour qu'il n'y ait plus, ou voilà, gratter, etc. Donc plus d'eau, parce que quand elle va prendre, elle va commencer à être à température ambiante, il va y avoir des gouttelettes d'eau sur le marbre. Et si vous mettez ces gouttelettes d'eau dans le chocolat, eh bien, vous savez que le chocolat ne va plus être bon et vous n'arriverez plus à mettre à température. Donc surtout si vous mettez, il y a quand même qui peut avoir beaucoup d'eau. Donc voilà à quoi je me sers de cette plaque de marbre. Je vous invite à regarder les vidéos où je montrerai les décors avec cette plaque de marbre.